Welkom in de gemeente Vielsalm aan het Lac de Doyard. In deze adembenemende uithoek van de provincie Luxemburg kan je heerlijk verdwalen. De 29-jarige Thibault runt er een van de kleinere boerderijen die lid zijn van de coöperatie biomelk.be, hofleverancier van biomelkproducten voor de Leize. C'était la ferme de ma grand-mère. Donc j'ai fait des études de bio-ingénieur, spécialisé en sciences agronomiques. Donc, j'ai toujours été, depuis que je suis petit, assez attiré par le métier. Et donc je suis agriculteur depuis 2015. Il y a 41 vaches laitières pour l'instant sur la ferme. Dankzij de Belgische coöperatie biomelk.be kan een kleine melkboer als Thibault rekenen op een gegarandeerde afname van zijn melk en dit voor een eerlijke prijs. De Leize engageert zich hierin door de helft van hun melkproductie aan te kopen. La collaboration avec Deleuze permet d'offrir une sécurité financière mais également logistique à la coopérative Biomilk. Ça permet d'offrir du travail à des gens dans la région et cela permet d'offrir un produit au consommateur belge qui est local. C'est une collaboration win-win-win-win et même plus, je pense. Wat de koeien eten, komt in de melk terecht. Het bezitten van een uitgestrekt weiland is dan ook een must voor een bioboer. Koeien die grazen, zorgen nu eenmaal voor de lekkerste melk. Tijdens de winter krijgen ze stro, gemengd met natuurlijke supplementen. Bij voorkeur zelf gekweekt of afgenomen bij producenten uit de regio. Par rapport au choix de l'agriculture biologique, on a un cahier des charges très strict que l'on doit respecter. Cela joue principalement au niveau de la manière de cultiver l'alimentation des vaches, donc qui est une alimentation végétale. Le lait de pâturage est un peu plus recherché d'un point de vue nutritionnel, avec un meilleur rapport oméga-3, oméga-6. Plus d'acide gras polyinsaturé de manière globale, moins d'acide gras saturé. Het welzijn van zijn koeien staat boven alles. Het mag dan ook niet verwonderen dat het opvolgen van de bioregels voor Thibault slechts een basis is. Het kan altijd nog beter. J'aime pouvoir sortir les vaches très tôt au printemps. C'est assez peu courant dans la région de commencer les pâturages aussitôt, mais je trouve ça d'abord très agréable. Je pense que c'est un plus pour mes vaches, au niveau de leur morale également. Le bien-être animal commencera toujours. C'est un peu égocentrique ce que je dis, mais par le bien-être de l'éleveur. La race majoritaire des vaches du troupeau ici est la Holstein. Ce sont des animaux qui demandent, comme beaucoup d'animaux, beaucoup de calme et beaucoup de compréhension. Mais le plus important, je pense, c'est la relation avec l'éleveur. Chaque vache est individuelle et donc a son propre caractère. Quand on a un enfant de temps en temps. On a quelques enfants, mais moi j'ai 50 filles. Mon plat préféré à base de lait restera quand même la glace. Ça reste quand même une valeur sûre après le repas. Alle biomelk van de Leize komt van de coöperatie biomelk.be. 100% fair, 100% Belgisch en 100% bio. Ga naar je De Leize winkel of lees er meer over op deleize.be.